Je suis tombée sur ta méthode et du coup ça a été le déclic. Le fait que ce soit pas forcément conventionnel, l'aspect antiscolaire. J'ai des clients qui viennent notamment de Grande-Bretagne. Donc effectivement, j'ai plus de facilité à oser parler avec eux en visite, à les appeler, à répondre en anglais. Salut Chloé, je suis ravie de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo. Merci de donner ton temps pour inspirer toute notre communauté à faire peut-être comme toi, changer de vie, à débloquer son oral en anglais. Tu vas nous partager tes meilleurs conseils. Du coup, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ton âge, d'où tu viens et ton parcours avec l'anglais avant de nous rejoindre? Alors moi, c'est Chloé, je vais avoir 35 ans, je vis en Bretagne. Et je travaille en tant que conseillère immobilière à mon compte et je développe des équipes à l'international. Et pourquoi l'anglais? Et ben, pour être totalement transparente, ma maman était prof d'anglais en collège. Et comment expliquer que ma crise d'ado a été plutôt facile, hein, mais je me suis juste rebellée sur l'anglais. Voilà. J'avais, je pense, pas mal de facilité et j'ai rien foutu. Ce qui a été un gros regret plus tard. Mais bon, il a fallu le temps pour le comprendre. Je me suis dit qu'il était grand temps de se remettre un petit peu à niveau. Et puis d'autant plus que j'adore voyager, donc c'est quand même hyper important. Et même pour le travail, c'est quelque chose qui peut m'apporter du plus. Voilà. Et du coup, ta crise d'ado avec l'anglais, ça veut dire qu'elle a duré jusqu'à là, il y a peu avant de rejoindre le marathon d'anglais? Ou est-ce que tu avais testé d'autres méthodes avant de nous rejoindre? Alors non, j'avais pas testé d'autres méthodes. De temps en temps, ça m'arrivait de parler un peu anglais ou quand je voyageais, de travailler là-dessus. Mais j'avais pas testé d'autres méthodes. J'avais rien qui m'avait spécialement hyper attirée et j'avais pas passé le cap. Ok, d'accord. Donc t'as eu le déclic et t'as trouvé la bonne méthode qui te convenait, quoi, direct. Je suis tombée sur ta méthode et j'ai eu le déclic. Ok. C'est dans ce sens-là. Le déclic, c'est le fait d'avoir découvert notre méthode qui a fait que, ou derrière, t'avais quand même un projet J'avais quand même des projets et une envie de bosser mon anglais, mais je m'étais pas lancée, ni j'avais pas recherché spécifiquement. Okay. Et effectivement, je suis... quand on a des projets qui commencent à se lancer, on voit des trucs qui apparaissent, et je suis tombée sur ta méthode, et du coup, ça a été le déclic. Ok. Et qu'est-ce qui t'a appelé dans notre méthode? Qu'est-ce qui t'a surprise? Qu'est-ce qui t'a dit « ouais, ça c'est pour moi » Le fait que ce soit pas forcément conventionnel, l'aspect antiscolaire, clairement. Parce que c'était ça, et le fait d'être en communauté aussi. Parce que ça, c'est super important de pas être tout seul. Ouais, totalement d'accord. Je voulais rebondir sur ce que t'as dit avant, et qui me fait sourire, et que je vois qu'on soit d'un côté ou de l'autre, finalement le résultat il est même. Qu'on ait des facilités à l'école, ou qu'on galère, j'ai l'impression que le résultat, c'est toujours le même avec l'anglais, en fait. C'est que la manière dont on va l'apprendre à l'école, ça va pas nous permettre de parler. Et souvent, j'ai des personnes qui me disent ça, je regrette de pas avoir bossé plus à l'école. Mais les personnes avec qui j'ai déjà parlé, qui ont justement bossé à l'école, qui sortent de l'école, finalement, elles parlent pas plus anglais. Donc en fait, je me dis que d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Donc voilà, hyper intéressant, je rebondissais juste là-dessus, si ça peut parler à quelques personnes qui nous regardent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour toi? Le fait de débloquer ton anglais, de parler anglais? Eh ben, je pense que ça m'a permis d'avoir des habitudes et de pouvoir plus facilement m'y remettre. Tu vois, il y a des moments où, avec le boulot, je suis un peu dépassée, on va dire, et je vais plus facilement retrouver les méthodes qu'on a apprises grâce à ta formation, les réinstaller. C'est plus fluide, en fait. J'ai pas tout un travail de découverte d'habitude, je sais ce qui fonctionne avec moi et ce qui fonctionne pas, plus ou moins. Donc je peux vite y revenir et ça revient facilement, du coup le plaisir revient facilement. Ok, hyper intéressant. Donc du coup t'as compris comment apprendre à apprendre. Je pense, ouais. Comment mettre en place une routine qui s'adapte à toi et pas à quelqu'un d'autre. Et du coup c'est plus facile pour toi de revenir à l'anglais à n'importe quel moment, en fait. C'est ça. Ok, hyper clair, trop bien. Droit au but, j'adore. Dans ton quotidien, du coup, tu utilises l'anglais, tu parlais que tu développais des équipes internationales dans ton job. Qu'est-ce que ça a changé? Parce qu'avant, j'imagine que du coup, ça devait un peu bloquer. Alors, ça fait partie de mes objectifs à venir. Par contre, ce qui m'a aidé, c'est que moi, dans l'immobilier, j'ai des clients qui viennent notamment de Grande-Bretagne. Donc, effectivement, j'ai plus de facilité à oser parler avec eux en visite, à les appeler, à répondre en anglais,
Voilà, toutes ces choses-là, ça me facilite les choses. Ah ouais, bah totalement. Bah ça permet de développer le chiffre d'affaires de ta boîte, t'es indépendante, tu disais tout à l'heure. C'est ça. Ouais, donc ça ouvre le champ des possibles, quoi. Would you mind to say a few words in English for us? If you want, I can try. All right. I didn't tell you before, so that was a surprise. Yes, sure. Okay. So, I don't know, let us know about your dreams. I love travel, so I really want to do lots of travel. I don't know exactly where I want to go, but maybe South Africa? Nice. I don't choose for the moment, but there's lots of possibilities, so... Yeah, all right, nice. Thank you so much. You're welcome. Je t'avais pas prévenu avant et je sais que parler derrière la caméra déjà en français c'est pas simple. Alors, du coup en anglais, même si on le parle, c'est pas forcément évident. Donc même moi des fois ça me, quand je sais que ça va être filmé ou quoi, c'est pas simple. Donc bravo d'avoir relevé le défi. J'essaye de faire abstraction de la caméra. Et ben c'est top, bravo à toi. Merci. On aime de lancer des défis dans le marathon d'anglais, donc on continue. Bah c'est ça, voilà, une fois de plus on sort de sa zone de confort et hop là. Mais parfois il vaut mieux que ce soit hyper spontané et pas réfléchi, hein, du coup. C'est ça, au moins t'as pas le temps d'avoir peur. Ouais, c'est ça. Trop bien, dernière question. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui aujourd'hui est peut-être bloqué à l'oral ou qui pense que bah, c'est peut-être pas fait pour elle, à force d'avoir testé plein de méthodes, etc., pour débloquer son anglais? Mis à part, t'as pas le droit de donner la réponse de rentrer dans le marathon anglais, ça c'est trop facile comme réponse. Voilà, un conseil applicable qui pourrait aider les personnes à se débloquer. Je pense que c'est comme dans tout, il faut pas se mettre de freins, parce que si on se met des freins, d'office, on va encore plus galérer pour y arriver. Déjà, je pense qu'essayer de se familiariser, même si on comprend pas forcément, à écouter, à mettre des séries en anglais. Alors oui, au départ, on est frustré parce que on comprend pas tout ce qui se passe, mais déjà, rien que de l'entendre, ça permet de se focaliser là-dessus et d'avoir un petit peu l'oreille, et puis après, de franchir le pas. Et puis, il y a pas grand-chose à perdre à essayer, de toute façon. Donc, On va s'arrêter là-dessus. J'adore cette phrase. Ce sera la punchline de la vie. Allez. Pas grand-chose à perdre à essayer. Bravo. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Chloé, d'avoir donné ton temps. T'en prie. Je sais que c'est hyper précieux pour les personnes qui hésitent, qui ont plein de grands rêves, mais qui n'osent pas passer à l'action. Donc, si ça peut aider rien qu'une personne, franchement, bravo. Donc, merci pour ton temps. Avec grand plaisir. Et bon développement de ton entreprise à l'international. Merci.